Coucou tout le monde, une vidéo très intéressante, je vais le faire en 4 vidéos. Rencontre avec le peuple des étoiles, ils vivent sous terre. Ok? Il y a déjà deux exemples derrière. Et c'est vachement intéressant. J'en souviens plus trop parce que je lis tellement de livres, je m'en souviens plus. Bon bref, ils vivent sous terre. Rencontre avec le peuple des étoiles, récit amérindien inédit, et je vais le faire en 4 vidéos. Autant commencer tout de suite. Là, ça sera la première, après la deuxième, troisième, quatrième, bon. Ils vivent sous terre. La croyance en des mondes souterrains a toujours été rejetée comme relevant de mythes et de légendes chez des générations d'hommes partout dans le monde. Par exemple, Socrate parla d'immenses cavités dans la terre qui étaient habitées et de vastes cavernes où des rivières coulaient. De toute façon, non. Les Indiens Cherokee racontent que quand ils arrivèrent pour la première fois dans le sud-est des États-Unis, ils trouvèrent des cultures très bien entretenues mais ne virent pas les gens qui en prenaient soin. Ils finirent par découvrir un groupe de gens qui vivaient sous terre et qui sortaient seulement la nuit pour entretenir les cultures et récolter la nourriture et l'emporter sous terre dans leur cité. Ces gens étaient de petite taille et avaient une peau bleue et des yeux noirs. Le rayon du soleil était trop violent pour eux, c'est pourquoi ils construisirent leur cité sous terre et ne sortaient que la nuit en s'éclairant au clair de lune. Les Cherokees les appelaient le peuple de la lune. Dans les années 40, elle découvrit les vestiges de 600 constructions antiques à proximité de Point Hope en Alaska. 600 constructions antiques. Ça fait beaucoup. Les ruines Ipiutak s'étirent sur un labyrinthe en forme de cité et offrent des preuves que les habitants préhistoriques possédaient des connaissances mathématiques et astronomiques comparables à celles des anciens Mayas. Bon, ça, c'est pas étonnant. Cette découverte ne surprit pas la population Inupiat local. Ils pensaient que la découverte prouvait la validité de leur histoire traditionnelle qui parlait de Star People qui visitèrent le pays et construisirent des cités à la fois en surface et sous terre. Jusqu'à aujourd'hui, les populations indigènes de l'Alaska racontent des histoires sur lesquelles l'Alaska moderne abrite de nombreuses cités souterraines construites. C'est pour ça qu'on parle de la terre creuse, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, par les Star People qui voyagent constamment entre la Terre et les étoiles. En 1995, Phil Schneider, hein, évidemment, qui est mort, hein, d'ailleurs, hein, de toute façon, la base souterraine, base de Dulles, hein, un géologue, ingénieur en construction, expert en forage souterrain, affirma qu'il avait pris part à la construction de profondes cités et bases souterraines en Amérique du Nord pour le compte du gouvernement américain. Ses conférences décrivirent en détail les cités habitées par des races extraterrestres venues des étoiles, le pacte secret du gouvernement avec des extraterrestres malfaisants et une haute technologie extraterrestre employée par le gouvernement, y compris d'exploitation minière de la corbamite sur la Lune. Hein, je pense à Andreas ou ça, tout ce qu'ils font, bon bref. Bon. Là, on parle le sur la Lune, corbamite. Hein. Dans, le plus cher, c'est le rhodium, hein, c'est 7 fois plus cher que l'or. Hein. Quand ils vont sur des astéroïdes, tout ça, bon bref. Dans ce chapitre, trois anciens Alaskans parlent de cités souterraines et d'une vie antérieure, d'expériences de rencontres rapprochées avec des ovnis. Alors, c'est une courte vidéo, mais la prochaine fois, demain, de toute façon, je ferai la suite après-demain et encore après-demain, c'est-à-dire trois vidéos de Oncle Beau. Hein, je vais parler de la Terre creuse. Mary Winston, hein, de tout ce qui se passe dedans. Et pour terminer, ça sera Belle, ça s'appelle comme ça. Voilà, il y aura trois histoires différentes que je balancerai un peu à la fois, tous les jours. Hein. Là, c'est une petite histoire. C'est simplement la présentation. Et après, il y aura trois personnes qui parlent. Les anciens Alaskans parlent de cités souterraines, d'une vie antérieure, d'expériences de rencontres rapprochées avec les ovnis sous la Terre. D'accord? Des intraterrestres, hein, pour être plus précis. Donc, je coupe là. Petite vidéo, je sais. Mais demain, il y aura une nouvelle, après-demain. Ainsi de suite, hein, sur... sur 3-4 jours, hein. Bon, voilà. Ils vivent sous terre. C'est pour ça que derrière, j'ai fait une référence à l'intérieur de la terre de Radu Cinémark. Il y a 4 tomes. Hein. Bon, là, c'est le tome
2, je crois, ou 3, je sais plus celui-là. C'est le 3. C'est dommage parce qu'il n'a pas vraiment bien marché celui-là. Ce qui est dommage. Et l'autre Terre des Dieux, c'est pareil. Il parle du Sphinx de Roumanie et Verdun. Il en parle aussi, je pense. Je ne me trompe pas. Donc là, c'est DM9 et là, c'est Roi du Cinéma. Ce qui est dommage parce qu'il aurait dû avoir un succès plus gros. Bon. Le dernier, c'est La Femme en Bleu. Comme par hasard, là, il parle des êtres bleus. Dernier tome de Roi du Cinéma, le quatrième, La Femme en Bleu. Et là, il parle des êtres bleus qui vivent sous terre. C'est bizarre. Hein. Bon, bref. Mais bon. Coïncidence, j'en sais rien. Bon, je vais couper là. Merci et à bientôt d'ici. Bah demain. Demain, après-demain, ce sera tous les jours. Il y aura 3 autres vidéos qui vont arriver par la suite. Hein, des témoignages. Je coupe, merci, à plus. Très intéressant, encore une fois. Merci.